Y a-t-il un avenir pour les start-up dans l'insurtech et la fintech en Algérie, monsieur Soufi? Vous savez, cet avenir est radieux. Parce que tout est à faire, tout, vraiment, tout est à faire, et tout ce qui a été fait est à refaire sur certains secteurs. Dans le domaine de la fintech, c'est aussi simple que ça, c'est vide. Mm-hmm. C'est vide. Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous n'avez même pas une entreprise, peut-être. Une entreprise qui fait dans la fintech, et encore, ou dans l'insurtech, ou dans les néobanques, etc., ou dans les logiciels. Donc, effectivement, l'avenir est radieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Et aujourd'hui, ce rien aujourd'hui que l'on se doit de construire, c'est à nous. Complètement. Et c'est à nous de le construire, et pas à quelqu'un d'autre, parce que ce pays ne sera sauvé que par ses enfants, qui réinvestiront ici, dans ce pays. Et c'est à nous que revient la légitimité? Non, c'est la légitime volonté de vouloir faire le meilleur et donner le meilleur de soi-même pour notre pays. C'est une forme de lutte pour construire notre avenir. Parce que personne ne le construira pour nous. Et dans...